Nous allons continuer notre poursuite de nos complexes et nous y ajoutons au niveau de la géométrie. Géométrie et non complexe. C'est le titre de la leçon. Nous allons en grand 1 voir la transformation du plan. Transformation du plan et non complexe. Nous rappelons que les transformations du plan sont des applications du plan dans le plan, l'application R du plan dans le plan, qui à tout point R associe son image M'. Et cette application est bijective, d'où son nom transformation du plan. Donc la transformation du plan est une application bijective du plan en lui-même. Elle admet donc une bijection réciproque, que nous allons étudier lorsque nous allons voir les isométries. Pour les transformations du plan, nous allons prendre la première transformation. Je rappelle que les transformations sont la translation, la symétrie centrale, la symétrie orthogonale, l'homothétie et la rotation. Bien entendu, on va composer des deux transformations et une transformation. Alors, le plan étant muni d'un repère O, E1, E2, autonomie directe. Si nous prenons une translation, transformation du plan, la première transformation du plan est la translation. Donc, je mets translation de vecteur. Translation du vecteur V. Donc, ça fait TV. À TV, le point M a pour image M'. Si nous sommes dans le plan muni d'un repère, O, E1, E2, prenons le vecteur V et marquons le point M. M aura pour image M'. Alors pour avoir M', il faut tracer une droite qui est parallèle au support du vecteur V. Et nous prenons la même longueur que le vecteur V. Et nous mettons ça ici, nous avons le point M'. Donc, selon ce que nous venons de dire, la définition géométrique, c'est que le point M, le vecteur M'', est égal au vecteur V. Donc, le vecteur M'', est égal au vecteur V. Voilà. La définition géométrique de la translation. Quelles seront les critiques complexes associées? Ça sera donc. Donc je mets ici le point M est la fiche Z et le point M' la fiche Z'. Donc nous aurons Z' moins Z qui sera égal à B. B étant la fiche du vecteur V. Je dis V. La fiche B. Le vecteur B a pour fiche non complexe petit b. Donc, ici, Z moins Z' est égal à B. Ce qui nous donne, à la fin, ce que nous allons obtenir, Z' est égal à Z plus B. Une critique complexe à obtenir. Alors, quand nous voyons l'écriture complexe du translation, nous voyons que ici, le A est égal à 1. Le coefficient de Z est égal à 1. B est la fiche du vecteur B. Donc ici, je mets B à fiche du vecteur V. Voilà. Deuxième transformation que nous allons voir ensemble. Il s'agit bien de la symétrie centrale. Je prends symétrie centrale. Je prends une symétrie de centre oméga. Donc, je marque
par la symétrie du centre oméga. Un point oméga d'abord est invariant, donc oméga a pour image oméga. Et le point M a pour image M'. Parce que pour une transformation qui a un centre, le centre est nécessairement invariant. Donc oméga a pour image oméga. Et M a pour image M'. Alors, si nous sommes dans le repère orthonormé O, E1, E2, si nous avons notre point oméga qui est ici, et que le point M est situé là, alors pour avoir M', il faut que oméga soit le milieu de M'. Donc, voilà, oméga doit être le milieu du segment M'. La transition géométrique est la suivante. Je mets d'abord oméga milieu du segment M'. Oméga étant le milieu du segment M'. Donc nous traduisons oméga M' est égal à moins oméga M. Voyez-vous, oméga M' est égal à moins oméga M. Voilà donc l'égalité vectorielle qui traduit donc le fait que oméga soit le milieu de M'. Ça marche, on peut continuer. Alors, quelle sera donc l'écriture complexe associée? Ça sera Z' moins Z oméga et Z moins Z oméga. Donc, nous aurons comme écriture complexe associée Z' moins oméga égale à moins Z moins oméga. Oméga, je précise ici, a pour affiche petit oméga. Oméga, c'est le point qui a pour affiche petit oméga. Donc, nous aurons Z' moins oméga est égal à moins Z moins oméga. Si nous développons ceci, nous aurons donc Z' qui sera égal à moins Z plus un nombre C, un nombre complexe bien entendu. Moins Z' égale à oméga plus oméga, ça fait 2 oméga. Je reprends. Nous avons la transition géométrique qui est égale à oméga M' moins oméga M. Nous disons donc Z' qui est la fiche du point M' moins petit oméga qui est la fiche du point oméga égale à moins en parenthèse Z moins petit oméga qui est la fiche de oméga et Z étant la fiche du point M. Voilà. Ici aussi, oméga est variable. Donc, si nous développons donc cette formule-là, nous en arrivons à Z' est égal à moins Z plus 2 oméga. Plus oméga, donc bien ici, ça fait plus oméga, ça fait Z' est égal à moins Z plus 2 oméga. Donc, nous remarquons la transition complexe de cette transformation du plan pour une symétrie centrale. Voilà. Nous allons passer tout à l'heure à l'application, mais le temps de terminer avec les autres transformations. Donc, nous prenons maintenant la symétrie centrale. La symétrie centrale. La symétrie centrale, nous allons donner deux exemples. Donnons une symétrie du centre OI, de base OI. Symétrie orthogonale
octogonal d'axe OI. Alors le point I est ici et le point J est là. Symétrie octogonale d'axe OI. Par cette symétrie octogonale d'axe OI, le tableau de correspondance, le point M a pour image M'. Alors la construction, je prends donc le repère orthonormé direct O I J E1 E2. Je prends le point M de coordonnées X, Y. Son image par la symétrie orthogonale d'axe OI sera le point qui sera ici. Ce sera le point M', tel que OI soit la médiatrice, tel que OI soit la médiatrice de MM'. Donc je marque ici construction, donc pour la définition géométrique, je dirais donc que l'axe OI est la médiatrice du segment MM'. Voilà, l'axe OI est la médiatrice du segment MM'. Alors, comment est-ce que nous allons traduire? Puisque vous voyez, le point M est la fiche Z. Donc, si nous voulons écrire ça, nous avons Z égale à X plus Y. Et le point Z, le nombre complet Z prime, lui, il sera écrit de la manière suivante. X moins I, Y. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Z prime est le conjugué du nombre Z. Z prime est le conjugué du nombre Z. Voilà. Donc, la définition que nous donnons ici, c'est que la distance OM est égale à la distance OM prime est égale à la distance OM. Et la mesure de E1 OM prime est égal à l'opposé de la mesure de l'angle E1 OM. Voilà, je reprends. Si nous avons construit le point M', de sorte que la droite OI soit la médiatrice de MM', ce que nous avons mis ici, alors la distance OM est égal à la distance OM'. Dans le premier temps, et l'angle que forme le vecteur E1 et le vecteur OM, l'angle orienté, est l'opposé de l'angle orienté formé par E1 et OM. Voilà, l'angle orienté E1 OM et l'angle orienté E1 OM'. Les deux angles sont opposés. Voilà donc. Ici, la traduction complexe est Z' est égal à moins à Z bar. Voyez-vous, Z' ici, c'est le contraire, c'est le conjugué de Z. Donc Z' est égal à Z bar, tout court. La symétrie orthogonale d'axe OI. OK? Pour la même symétrie orthogonale, nous allons donner un autre exemple, la symétrie orthogonale d'axe OJ. Prenons la symétrie orthogonale d'axe OJ. Symétrie orthogonale d'axe OJ. Ça veut dire que par l'axe OJ, le point M a pour image M'. Alors, passons à la construction d'image. Donc, nous allons prendre le repère. Nous allons prendre le repère O, E1,
Il nous donne le point ici. Et le vecteur E2 est représenté par le vecteur OJ. Prenons un point M. Si nous devons construire une image du point M par la symétrie orthogonale d'axe OJ, nous aurons le point M prime qui sera de ce côté. De sorte que la droite OJ soit aussi la médiatrice du segment MM prime. Ici, pour faire la construction, il faut mettre donc le corde de la perpendicularité. Donc, il faut marquer que cette droite est perpendiculaire à OJ. Voilà. Et je trace OM'. Qu'est-ce que je constate? Je constate que, et je peux donc l'indiquer au niveau de la définition géométrique, pour dire que l'axe OJ est la médiatrice du segment M'. L'axe OJ est la médiatrice du segment FM'. Et nous traduisons ceci sous la forme la distance OM' est égale à la distance OM. À se voir. Et la mesure de l'angle E1, l'angle orienté O1, OM' est égale à pi. Voyez-vous, l'angle qui est ici. Et jusqu'ici, nous avons pi. Donc, pi moins l'angle E1 OM. Pi moins mesure de l'angle E1 OM. Voilà donc la traduction de la symétrie orthogonale d'axe OJ. Voilà. Si nous donnons donc le petit complexe, alors, regardons, si nous avons x, y, ici aussi nous avons moins x et y, ce point-là. Donc, ici le point M, le point ZM, Z de M est égal à I plus IY. Et Z prime de M est égal à moins X plus IY. Moins X plus IY. Alors, regardez bien ZM et regardez aussi Z prime M. Comment est-ce que nous pouvons égaliser les deux? Nous voyons donc que ceci est l'opposé du conjugué. Donc nous traduisons Z' est égal à moins Z bar. Puisque Z bar, avec ce que nous avons écrit là-haut déjà, Z bar c'est égal à X moins IY. Si nous prenons son opposé, nous avons moins X plus IY. Donc, Z prime est égal à moins Z bar. Voilà. Nous verrons qu'il s'agit bien dans ces deux cas-là. Similitude indirecte. Mais, pour le moment, nous allons asseoir ça jusqu'à ce que nous voyons la similitude directe. Les similitudes directes et indirectes ne sont pas dans notre programme de notre programme cette année. Ensuite, nous passons à l'homothétie. Homothétie du centre oméga et de rapport K. On décide de centre oméga et de rapport K. Nous notons
On nous décide de centre oméga et de rapport K. Automatiquement, nous disons oméga est invariant. Et M a pour image M'. Dans votre construction, vous pouvez avoir deux cas selon que K est positif ou K est négatif. Mais nous allons supposer K positif. Nous avons E1, E2, je prends le point oméga, je prends le point M, et je dis oméga L est égal à oméga M'. Donc ici, si K est positif, on suppose K positif, on aura quelque chose comme ça. Et le point M' sera pris ici. Selon que K soit plus petit que 1, si K est plus petit que 1, oméga M' sera entre oméga et M. Si K est plus grand que 1, K supérieur à 1, on va devenir plus simplement positif. Si K supérieur à 1, M' sera de l'autre côté. Donc oméga M, oméga M'. La transformation, la définition géométrique que nous pouvons donner, c'est que oméga M' est égal à K fois oméga M en vecteur. Oméga M' est égal à K fois oméga M. Si nous prenons la transformation l'écriture complexe, nous aurons donc Z' moins oméga, qui est la fiche du point oméga, est égal à K fois Z, qui est la fiche du point M, moins oméga. Voilà. Nous pouvons nous arrêter là. Mais on peut développer. Et on va trouver donc Z' est égal à KZ plus K facteur de 1 moins oméga. Z' moins oméga est égal à K fois Z moins oméga. Si je développe, j'aurai KZ moins K oméga plus oméga. Donc, si je mets K facteur, si je mets oméga facteur, si je mets oméga à facteur, l'oméga que je mets à facteur, puisque j'aurai oméga moins K oméga, ça fera donc 1 moins K de tout d'oméga. 1 moins K de tout d'oméga. On peut retenir donc cette formule comme celle-là. Voilà, pour monter ici. Nous allons terminer enfin avec la rotation. Avec la rotation. L'autre transformation du plan, la dernière que nous avons étudiée ce matin, c'est la rotation. Donc je mets transformation du plan, rotation de centre oméga et d'angle theta. Donc, je note à la rotation de centre oméga et d'angle theta. Oméga a pour image oméga et un point M a pour image un point M'. Comment est-ce que nous avons fait donc la construction? Si nous prenons notre repère O, E1, E2, le repère orthonormé direct, je place le point oméga. Et je place un point M. Je suppose que oméga est positif. Donc, pour trouver son image, je vais donc pointer, vous savez comment on fait la construction, je pointe ici, je fais un cercle des rayons oméga M. Sur ce cercle des rayons oméga M,
on aura le point M' tel que oméga M' soit égal à θ. Donc, je mets ici M'. Et vous, oméga M est égal à oméga M'. Donc, notre transformation que nous pouvons dire dans notre définition géométrique, nous disons oméga M en distance, oméga M' est égal à oméga M. Puisque M et M' sont situés sur le même cercle du centre oméga. Et à mesure de l'angle orienté oméga M, oméga M' est égal à l'angle θ. Voilà. Qu'est-ce que l'écriture complexe? L'écriture complexe sera donc Z moins oméga, Z prime moins oméga, est égal à E I theta de Z moins oméga. Vous savez ce que c'est que E I theta, c'est l'écriture exponentielle d'un nombre complexe qui a pour partie réelle, cosinus theta et partie imaginaire sinus theta. Donc, on a E I theta de Z moins Z oméga. Voilà. Nous pouvons nous arrêter à cette transformation. On peut développer aussi, mais nous allons arrêter là. Voilà donc le cours. Nous allons résumer ensemble avant de passer à un exercice de fixation pour pouvoir voir si vous avez compris tout ce processus-là. Reprenons. Nous disons que ce matin, en grand temps, sur le cours géométrie et non complexe, nous étudions les transformations du plan et non complexe. Quelles sont les transformations du plan que nous étudions? Ça se trouve dans la case de gauche. Les transformations du plan que nous étudions se trouvent dans la première case. Les translations, la symétrie centrale, la symétrie orthogonale d'as OI, la symétrie orthogonale d'as OJ, le modèle de centre oméga et de rapport K, et enfin la rotation de centre oméga et d'angle θ. Voilà donc les 6 transformations que nous étudions. Et pour chaque transformation, nous donnons l'écriture de la construction de l'image. Nous donnons la construction de l'image, nous donnons la définition géométrique, et enfin l'écriture complexe de cette transformation. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que si la transformation est une translation, son écriture complexe est la forme z' moins z égale à b. B étant la fiche du vecteur v. À la fin, nous pouvons avoir donc z' est égal à z plus b. Si nous avons une symétrie centrale, le centre oméga, alors nous traduisons tout de suite que oméga m' est égal à moins oméga m. Ce qui signifie que oméga est le milieu du segment mm'. Alors, d'après z' moins oméga, petit oméga étant la fiche du point oméga, égale à moins z moins oméga. Si nous développons, nous avons donc z' est égal à moins z plus 2 oméga. Voilà. On peut aussi remarquer que la symétrie centrale, c'est aussi une rotation dans le pi. Nous allons faire cette remarque ici. Nous allons faire cette remarque ici. La symétrie centrale de centre oméga est une rotation de centre oméga et d'angle pi. D'angle pi. La symétrie centrale de centre oméga est une rotation de centre oméga et d'angle pi. Ça, il fallait donc le signaler. Alors, nous sommes toujours en train de faire le résumé. On est sur la symétrie centrale, on passe à la symétrie orthogonale.
orthogonale OI. Asymétrie orthogonale OI, basse OI, sa transformation dans l'écoutille complexe, c'est Z' égale à Z' bar. On doit le conjuguer. L'image de Z donc sont conjuguées. L'asymétrie orthogonale basse OJ, comme vous voyez, le point M a pour image M', et Z' est égal à moins conjugué, moins Z', Z' bar. Enfin, le motif SI de centre oméga et de rapport K, sa transition géométrique, c'est oméga M' égale à K fois oméga. Et si nous voulons passer à son écriture complexe, nous avons Z' moins oméga égale à K fois Z moins oméga. Si nous développons, nous arrivons ici. Et enfin, nous sommes à la rotation de centre oméga et dans le θ. La rotation de centre oméga et dans le θ se traduit de la manière suivante. Oméga M', puisque oméga est invariant, oméga M' est égal à oméga M. Et la mesure de l'angle oméga M, oméga M' est égal à l'angle θ. Voilà donc la traduction complexe. Z' moins oméga est égal à EIθ de Z moins oméga. Nous allons donner donc un exercice de fixation maintenant pour pouvoir voir si vous avez compris.